Bonjour à vous. Cet acte 13 nous aura prouvé une fois de plus à quel point tous ces oligarques méprisent notre cher peuple de France à un niveau tel que nos propres vies ont même moins de valeur que leurs biens. Et pour cela, il suffit de regarder le président de cette Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui s'offusque de voir la porte de son domicile ainsi que les murs blancs de son petit couloir légèrement noircis par un incendie, en nous disant, je cite, rien ne justifie les intimidations, les violences et les détériorations. Alors que quasiment au même moment, nous avions un membre de notre cher peuple de France qui se faisait arracher sa main devant l'Assemblée nationale par un tir de grenade de désencerclement provoqué par un CRS qui n'a aucun scrupule à utiliser une arme, et je dis bien une arme puisque les grenades contiennent du TNT, sur une foule en sachant pertinemment que cela allait provoquer un blessé et voire même au pire un mort. Et donc c'est carrément un acte prémédité. Et donc là en l'occurrence, ben, c'est un jeune homme qui perd sa main, un plombier qui ne pourra jamais plus exercer son métier. Et là, ben, vous voyez les commentaires de cet énergumène de Richard Ferrand qui n'a aucun mot à dire là-dessus, par contre, qui n'est pas du tout content de voir ces petits murs un peu salis. Donc voyez bien que la valeur de nos vies, la valeur de notre avenir, ben, ça n'existe pas pour ces gens-là. Et donc j'espère que grâce à cela, vous allez pouvoir ouvrir encore plus les yeux, et notamment ceux qui n'ont toujours pas, ceux qui se sont toujours pas ralliés aux Français qui se battent contre cette dictature. Alors effectivement, il n'y a pas eu qu'un seul blessé à Paris, il y en a eu plusieurs, et également dans d'autres villes comme Toulouse, Bordeaux et Montpellier, d'autres villes notamment qui ne sont pas bien sûr médiatisées puisque c'est trop petit, et du coup ben, c'est moins important de dire qu'il y a des blessés dans des petites villes hein, puisque c'est moins croustillant pour tous ces journalistes. Et donc ben, il y a eu quand même beaucoup de blessés pour cet acte 13, et donc ben, cela nous montre à quel point ben, ils n'ont pas du tout l'intention de lâcher le morceau, hein, ça on le sait très bien, et on sait très bien qu'il va falloir se battre encore très longtemps pour revendiquer notre souveraineté et ainsi mettre en place le RIC. Parce que bien sûr, vous avez bien vu que ce président de cette république de dictature capitaliste oligarchique qui nous présente son grand débat, en fait, il ne fait que des monologues. Et en plus, il choisit que les gens qui l'écoutent. Hein. Donc, vous voyez bien que cela va ne servir strictement à rien, à part bien sûr à gagner du temps. Et on parle de référendum, mais ça aussi, c'est de la pacotille, puisque de toute façon, à partir du moment où c'est géré par ces gens-là, vous pouvez être sûr que ça sera erroné. Hein. Et donc, ben, vous constatez qu'il va falloir se battre. Et ben, c'est exactement ce que vous faites. Et puis, je l'ai bien vu pour l'acte 13, il y a toujours cette même détermination, cette même envie de changer les choses. Et puis, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que ben, même pendant cette mobilisation, les gens parlent entre eux pour continuer à toujours échanger plus les idées afin de les amplifier. D'ailleurs, c'est ça, la politique, rappelez-vous, c'est de faire fructifier ces idées, de les faire s'amplifier, fusionner. Et ainsi d'essayer de les mettre en place. Et donc grâce à cela, nous avons bien compris que nous n'avons pas besoin de tous ces oligarques pour faire de la politique, puisque nous sommes capables de le faire nous-mêmes dans notre cher pays. Et donc ben, tout cela est quand même bénéfique malgré tout. Et maintenant, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est amplifier le mouvement. Et donc, en employant toujours plus le boycott, ce que vous faites maintenant de plus en plus, et je suis bien content là-dessus, puisqu'on commence à voir des résultats. Donc, continuez à boycotter tous ces produits qui sont néfastes pour notre santé, puis pour notre chère nature. Mais également, il faudrait bien sûr maintenant mettre en place des stratégies qui bloqueraient tous les membres de ce gouvernement, afin de les empêcher de continuer à exercer cette politique qui est là maintenant, vous l'avez bien compris, uniquement que pour détruire notre cher peuple de France et pour vendre notre pays, afin de continuer bien sûr à nous esclavagiser hein, et que cela soit même légal. Et donc ben, en bloquant, en essayant d'empêcher ces gens de continuer à exercer cette politique, hein, en bloquant leur domicile, en bloquant ben, les endroits où ils doivent aller, comme ben, l'Assemblée nationale, le Sénat comme d'habitude, l'Élysée, les ministères et autres locales, ben, on les handicape au maximum pour leur mettre des bâtons dans les roues afin de, hein, de les empêcher de continuer cette politique. Et puis éventuellement, si on arrivait maintenant à également mettre en place des stratégies de blocage des aéroports les plus près justement de tous ces politiques, et également l'économie. Il faudrait commencer à bloquer l'économie internationale, puisque bien sûr, maintenant vous avez compris que pour une bonne santé, il faut être locavore, manger d'abord ce que nous avons au niveau local et après national. On n'a pas spécialement besoin de produits internationaux. Alors effectivement, pour l'économie, hein, il faut faire des échanges avec d'autres pays pour que les peuples puissent être fraternels également, mais c'est absolument pas grâce à cette politique que cela va arriver, hein. Regardez la mondialisation, ce que c'est pour eux, hein. C'est esclavagiser tous les peuples pour que certains d'entre eux puissent se gaver. Ça sert à rien d'autre, la mondialisation. Vous l'avez bien vu pour la dernière vidéo, c'est il faut qu'on
achète des choses que nous fabriquons dans d'autres pays. Et les autres pays, c'est pareil pour eux. Ils doivent acheter des choses chez nous alors qu'ils le fabriquent chez eux. C'est d'une stupidité incroyable. On se demande même comment c'est possible que cela soit en place. Donc, en fait, effectivement, nous allons amplifier cela en d'abord bloquant, essayant de mettre en place des stratégies pour bloquer l'économie internationale, puisque bien sûr, vous avez compris que les gros porte-conteneurs, ils ne sont là que pour faire des échanges de produits que nous n'avons pas besoin pour la vie de tous les jours. Regardez le Saint-Exupéry, le plus gros porte-conteneur de France, qui est un des plus gros au monde, hein, fait des allers-retours entre la France et la Chine pour échanger de France en Chine des maquillages et de Chine en France des produits plastiques. Ils utilisent nos millions, ils utilisent du fioul lourd pour polluer bien sûr notre nature en nous faisant payer cela pour nous vendre des vulgairement parlant, des merdes, quoi. Donc, voyez très bien que leur économie, là, elle sert que, bien sûr, à faire engendrer leur fortune, hein, qui augmente toujours plus. D'ailleurs, quand vous regardez les riches, leur fortune augmente, comme si jamais ils avaient besoin d'augmenter. Alors que on constate que ils dépensent quasiment rien, puisque ça continue à augmenter, hein. Et donc, quand on pense que on a besoin, soi-disant, des riches pour faire tourner un pays, vous devez absolument constater que c'est totalement faux, puisque là, vous devez voir que ces gens-là ne dépensent pas spécialement d'argent. Ils dépensent de l'argent pour péter dans le luxe, ça c'est sûr, puisque de toute façon, le milieu du luxe ne s'est jamais aussi bien porté, alors que nous sommes dans la quatrième année consécutive où la faim progresse dans le monde. Vous voyez bien que c'est carrément paradoxal. Et pourtant, le milieu du luxe n'a jamais eu autant progressé depuis ce siècle. Hein, donc vous voyez bien que là, il y a un gros problème. Donc, en leur mettant des bâtons dans les roues sur l'économie, hein, en essayant de bloquer les ports, les plus gros ports où, bien sûr, il y a les plus gros porte-conteneurs, ce genre de choses à mettre en place. Et donc, c'est nous tous qui devons réfléchir là-dessus pour le faire. Également, comme je vous l'avais proposé dans une autre vidéo, chercher la banque la moins pire, et puis que tous les Français qui se révoltent contre cette dictature se regroupent dans une seule banque, dans une seule assurance, dans une seule mutuelle, un seul forfait téléphone, internet. Pareil, on n'a pas besoin de faire travailler des intermédiaires, on va tous chez un seul une seule structure, et puis comme ça on fait fermer tous les autres, et là vous allez voir qu'on va les handicaper à fond la caisse. Également pour cet acte 13, bien sûr, nous avons mis en place les cacatoves. Et en fait, ça sert uniquement à distraire les forces de l'ordre, puisque effectivement, notre peuple, comparé à ces gens des CRS qui font également partie de notre peuple, n'a pas envie de les blesser. Alors, effectivement, on a des scrupules à tirer des pavés et autres projectiles, puisqu'on sait que effectivement ils peuvent être blessés. Et donc maintenant, nous partons sur une autre formule, à savoir utiliser des cacatoves, c'est-à-dire que ce sont des réceptacles en verre ou en plastique qui contiennent alors à la base des déjections et de l'urine, ce qui est quelque chose qui sent extrêmement fort, et qu'on jette ça sur bien sûr les forces de l'ordre. Mais il y a beaucoup mieux, je vais vous mettre un lien, c'est de fabriquer des boules puantes très facilement avec du soufre et de l'ammoniac. Je vous donnerai bien sûr le lien, comme ça vous voyez les doses qu'il faut faire. Et si jamais on distrait les forces de l'ordre tous les samedis avec ce genre de choses, en attendant que les autres jours on continue le boycott et puis à bloquer les trucs qu'on mettra en place, vous allez voir que au fur et à mesure, je pense qu'il y aura de plus en plus de forces de l'ordre qui se porteront malades pour les samedis. Et comme ça, après, nous pourrons bien sûr bloquer directement l'accès aux organes politiques pour empêcher ces gens-là de continuer à nous détruire. Et donc, mise en place des cacatoves pour le 14, l'acte 14, et bien sûr. Arrêtez de casser les choses, puisque effectivement ça sert à rien. Donc essayez de penser à tout ça, mais surtout ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la détermination du peuple, elle est toujours là, la fraternité également, et surtout l'envie de changer les choses, puisque vous le savez, ceux qui vont manifester, vous continuez à parler entre vous, et vous échangez vos idées, et vous avez l'envie d'avoir une autre société, d'avoir une société plus juste, et puis surtout de pouvoir vivre normalement dans notre pays, puis vivre par le fruit de notre travail. Et donc, effectivement, vous êtes motivés, et beaucoup de jeunes également qui viennent à peine de rentrer sur le marché du travail et qui sont déjà conscients d'être esclaves. Donc, cela donne la motivation pour continuer à être mobilisés chaque jour maintenant dans notre cher pays qu'est la France pour renverser cette dictature capitaliste dirigée par tous ces oligarques.
Et donc, eh ben, force à notre cher peuple de France, réfléchissez à tout ça. N'oubliez pas que j'ai également mis un lien Discord, hein, pour ceux qui veulent venir discuter, approfondir bien sûr les sujets. Et il y a d'autres personnes qui mettent également leurs liens. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il faut absolument participer. Il faut qu'on soit de plus en plus unis, puisque c'est cette union, cette fraternité, au-delà de toutes les autres armes, qui arriveront à éradiquer cette dictature et tous ces oligarques. Donc pensez à tout ça et surtout soyez toujours fiers de vous malgré tout ce que vous entendez par le biais de la télévision ou autres journaux. Nous sommes quand même des résistants hors pair dans notre cher pays puisque nous sauvegardons notre peuple et notre pays. Et nous sommes également un peuple qui est déterminé à bien sûr changer la donne. Donc ça, c'est une fierté nationale. Vous êtes tous des résistants et vous devez tous être fiers de vous-même.